Bonjour, moi je m'appelle Mohamed Najem, je suis clarinettiste, je viens de Ney et c'est ma première fois en Martinique. Je suis très content d'être là. C'est une très belle découverte pour le festival Martinique Jazz Festival. Je pense que ce sera un petit voyage pour le public et pour nous aussi. On va voyager avec le public aussi à travers notre musique. Et pour ce soir, nous allons jouer en quartet. J'ai Clément Prime au piano et contrebasse, Arthur en batterie, Arnaud Baptiste Castet. Et nous allons en fait jouer ma musique, mes compos, quelques morceaux traditionnels. Et c'est en fait un mélange entre la musique arabe, où je viens de la Palestine, plutôt de Bethléem, l'influence du Moyen-Orient, et avec leur touche de jazz qui va en fait s'intégrer à la musique pour donner un twist, en fait, une petite voyage entre les deux mondes, un pont entre l'Occident et l'Orient. Et j'espère qu'il va plaire aux gens. Je vous assure que c'était vraiment magnifique. J'ai dit high level, vraiment fluide, magnifique, avec une... Je ne sais même pas exprimer ça. J'ai eu beaucoup d'émotions parce que j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et une complicité entre ces quatre joueurs, ces quatre musiciens, et puis une participation du public. Ils ont invité le public à frapper des mains, à participer. C'est vraiment magnifique. Je suis très content que Laurent Mort, cet harmoniciste, ait pu venir en Martinique. Parce que je le connais depuis un certain temps déjà. Je joue avec lui également de temps en temps. Et c'est un joueur d'harmonica fabuleux. Il en joue comme saxophoniste. Et voilà, on a joué surtout ses compositions. Et je suis venu vraiment avec plaisir l'accompagner parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, pour un instrument qui est où généralement les gens jouent du blues avec l'harmonica. Lui, il joue de l'harmonica, ça n'est pas l'harmonica diatonique, mais chromatique. Et c'est pas facile et il en joue fabuleusement bien, quoi, vraiment. Et ben, c'était super. Franchement, on s'est régalé, on avait un super son, les gens étaient là, ils ont aimé, nous on s'est régalé, donc bah, la vie est belle quoi. Avec Mario, c'est toujours bien et différent, parce que c'est un vrai improvisateur en fait, donc il joue tout le temps différemment, et donc il y a toujours des surprises, c'est toujours un plaisir de jouer avec Mario quoi. C'est ce que ça groove toujours. Et puis c'est beau, enfin voilà, c'est la façon dont vous connaissez Mario. Donc c'est pas pour rien que je joue avec lui, parce que j'aime comment il joue.